Bon, maintenant ma priorité n'est plus trop du diamant. Quoi que si j'en avais un bon stack, je pourrais peut-être me faire une armure en diamant. C'est vraiment la prétention ultime en mode solo, sans cheater. Mais bon. Oh mais dis donc, ça pop là. Ça pop même beaucoup. Donc, apparemment là où j'aurai un cache de 1200 junk. On vous dira ça parce que je sais que c'est bien. Donc, correspondant au numéro qui est au-dessus des monstres, je note totalement s'ils ont une signification particulière. Je sais que c'est un numéro identifiant, mais à quel point les deux premiers numéros peuvent signifier quel type de monstre il s'agit, à mon avis. Ou un truc dans le genre. Je trouverai bien. Étant donné que j'avais repéré que toutes mes araignées étaient numérotées 113 et 114 au départ. Voilà, donc à voir. Renseignement sur le minitrafiki, mais non, ils disent rien sur ces sur la commande pro sur minitrafiki, je crois. Ce qui est étonnant d'ailleurs. Bon, oui, donc j'ai dit que je débiterai peut-être de minage, que vous le sauterez. Donc en ce moment, donc je n'ai pas grand chose à dire, je réfléchis, mais bon. C'est plus du gameplay, hein. Encore une fois. Donc je crois que je vais faire demi-tour avant de choper mon iron. J'en ai 17. Donc j'en ai 2. Donc j'ai 2 multiples de 8. Donc je peux. Je peux. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux quand même pas la tête. Si j'ai fait une bêtise, vous connaissez une astuce avec un carreau de lave. C'est pas que ça va bien entendre, j'ai vite fait une bêtise de 300 coups. Et ben voilà, j'ai plus de pioche, une pioche en bois. J'ai pas de pioche au bois, aussi un échafaudage. Donc je vais poser ma poche contre ceci. Et on va voir combien de temps elle va durer à cela. Avec. Je vous rappelle que si vous piochez à une ressource avec les mauvais matériaux, votre outil s'abîme quand même. Oh,
le festival du diamant. Ah, de l'or, excusez-moi. Allez, je vous passe ça. Donc je vais simplement me reconstruire une pioche en pierre. Donc oui, j'ai fait beaucoup de coupures en ce moment, mais vous voyez, c'est très très rébarbatif. Je vous ai bien mis 5-6 épisodes de minage optimisé comme ça. Je suppose que vous devez en avoir plein la tête, alors je coupe pas. Donc voilà, je suis en train de me faire un maximum de pioches. Je n'ai pas de pioches en même temps. Bon, ça fait rien. Je vais en faire, de toute façon, je vais en faire. Le charbon perdu de faire cuire, je suis mon stack. On va mettre les volants. Voilà. Ah tiens, ouais. Bon, je le stockerai, c'est pas un souci. C'est bon, je mets mon bras. Toujours utile pour la construction, la stone lisse. Que pour les constructions, je trouve plus joli. Hein. Après, on a parfois ma réussite dans le bas. Donc je repars pour une séance de minage optimisé, donc je vais couper, et puis à chaque fois que je croise un bloc intéressant, ben, je remets la vidéo. Voilà, donc je viens de trouver un bloc d'iron, donc enfin un bloc de redstone, donc j'arrête ici pour cette rangée. Donc je reprends là où j'avais abandonné l'or, hein, afin d'aller refaire mes pièges de pierre. Donc c'est parti. Voilà, donc là je ne sais pas ce qui se passe, je trouve beaucoup d'or. Je viens de retrouver donc apparemment un filet à peu près identique à celui que il y a à peu près je sais pas, à peu près 128 blocs plus loin. Donc voilà, je continue la période. Allez, on est reparti. Je ne retrouve pas d'iron ni de diamant. Surtout du charbon également. Je ne retrouve pas les ressources de base quoi. Bon, je continue ma pioche en pierre est un peu morflée à fond. Je continue. Comme je vous montre bien hein, que je ne cheat aucune pioche. C'est pas possible. Enfin ça y est, j'ai trouvé un petit peu d'iron et de diamant, donc pas loin de l'or que je viens de trouver. Donc je n'ai pas refait ce F3 depuis un petit bout de temps pour si j'avais des mobs à proximité. Et de toute façon, cette profondeur, les donjons sont très très rare, étant donné qu'ils sont plus proches de la surface apparemment. Mais il n'y a pas de région précise pour les donjons. Voilà. Donc, sinon, on est déjà fait à je continue. Donc je suis tombé mais avec de l'or, donc je continue et donc je change de de ciment.
Échanger supplémentairement à gauche, à droite. Pas. Bon, bah alors là, je crois que c'est pareil. Pas du tout. Ne sortez pas de genoux pour eux, je vous en supplie. Avec ses cheveux. Voilà. J'ai du Nord qui est prêt à m'accueillir. Enfin, je suis pas accueillir. Allez, on va y réussir. Évidemment. Putain. Donc évidemment, donc je ne peux pas apparemment creuser. Je suppose que bon. Ici. Ça l'air. On va faire voir tout ce qu'il y a. Donc par là, je vais rejoindre donc un de mes anciens clients. Qui est assez loin quand même. Mais je vais continuer donc mon ménage est fini. A tout de suite. Bon, donc c'est officiel, je dois être maudit. Je trouve encore de l'or. Je n'ai pas compté, mais j'ai moins trouvé l'équivalent d'un stack d'or. C'est hallucinant. Et le pire, c'est que l'or, je n'en ai aucune utilité à part la montre. Donc, je n'ai pas de pioche en argent pour en iron gel pour piocher ce fameux minerai. Et j'en ai largement assez déjà pour me faire une montre. Donc, voilà. J'aimerais bien retrouver sur un peu de diamant quand même. J'aimerais. Pour peut-être me faire un équipement, un set d'armure en diamant. Voilà. Donc là, je vais pas couper, peut-être que j'ai déjà fait une piocher de diamant. Tout ça, à chaque fois que je vous montre, hein, c'est pour vous montrer que je ne chie pas donc. Hein. Et bon, c'est parce que vous me faites confiance. Il y en a certains qui tirent réellement, j'ai pas confiance. Allez, on le recoupe. Voilà, de toute façon, je continue à piocher, ce n'est pas très intéressant.